Hi Mina, c'est Kyuchan et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Zelda Skyward Sword. Et là je suis sur mon nouveau PC, donc techniquement mon avatar ne devrait plus laguer autant qu'avant. Donc ça devrait aller beaucoup mieux. Nous sommes arrivés ici et nous avons normalement délivré Zelda, non? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Zelda est toujours derrière? Non, Zelda n'est plus derrière, on voit bien la porte s'est bien refermée. Mais donc c'est bien ça, donc on a libéré Zelda, sauf que Ghirahim l'a enlevée. Je pense que si je parle à mamie, elle va me le dire. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai eu peur, parce qu'en voyant la porte fermée, j'ai cru que j'avais fait une mauvaise sauvegarde. Donc il faut qu'on aille sauver Zelda. Alors je sais que j'ai pas encore fait le jeu à 100%, vous inquiétez pas, c'est prévu. Mais là je vais d'abord aller... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, faut que j'aille dans le passé, mais je suis bête. Ah, faut que j'aille dans le passé, je suis trop bête. Ah, je sais plus ce que j'ai fait depuis la dernière fois, moi. Faut que j'aille dans le passé. Est-ce toi, Link? Ghirahim a eu raison de moi. Mais ne te préoccupe pas de mon sort. Il te faut partir à sa recherche. À sa poursuite, pardon. Il a disparu derrière la porte de devant. Tu peux encore l'arrêter, hâte-toi. Oh oui. Par contre, c'est par là. Allez. Excusez-moi. Alors évidemment, il va pas nous faciliter la tâche. Hein. Donc impossible de passer comme je passe d'habitude. Hein. J'avais oublié qu'il chantait. Enfin, évidemment, il chante pas, il incante, mais c'est un peu ça quoi. Oui, j'ai pas enlevé mon avatar, je l'enlèverai pour la prochaine. Oh, quoi que ça pourrait me servir de miniature. Il me faut terminer le rituel jusqu'à ce que le Seigneur du Mal soit revenu à la vie. Ne laissez pas ce sale gamin s'approcher. C'est pas du tout... Alors c'est pas du tout la voix que j'avais fait à Ghirahim à la base, mais bon. J'espère que le son du jeu est pas trop fort, que vous m'entendez bien. Techniquement j'ai fait en sorte que, mais bon. En fait je vais réserver l'avant-dernier épisode au... à faire le 100%. Donc récupérer les derniers quarts de cœur et les derniers... cubes de la DS et tout. Donc là on va avancer parce que ça sert à rien de les affronter. Pour l'instant, dégage! Aïe! Je suis en train de perdre de la vie pour rien moi. Voilà, là il me bloque le chemin donc là il va falloir les tuer. De Dieu. Voilà. Là on n'est pas loin du de l'Hyrule Warrior hein. Et hop! Et hop! Hop! Ah, je suis coincée! Waouh, l'explosion! Ah, il y avait un cœur. Oh, les gros. Oh, les gros. Je vois rien. Caméra. Je vois absolument rien à ce que je ferais, hein, donc... En plus, mon lock ne lock pas le bon ennemi, donc c'est magnifique. C'est vrai que celui-là, il a passé son temps à fuir en plus. T'es sérieux? Ok. Non. Ok. Ah! Ah génial, des squelettox. Comme si j'avais pas assez à penser avec toute la horde qui est autour de moi. Dégagez! Ok. En fait, j'ai buté la horde. Normalement, on y est presque. On est presque en bas. Bah, on est en bas, je crois. Ouais, on est en bas. Aïe! Ok, non, c'est pas encore fini. Ah, il lui faut du temps, hein. Il gagne du temps, hein. Quand je vous dis qu'on n'est pas loin de Hyrule Warrior, là. Ok. Ce coup-ci, c'est bon. Tu arrives trop tard. Trop tôt. J'arrive trop tôt. Il n'est pas prêt. Tu n'y connais visiblement rien en rituel. Alors je vais t'instruire un peu. Les rituels, ça prend du temps, alors tu vas attendre bien gentiment. Tu as compris, sale petit cloporte, c'est mon moment de gloire. Oh, et puis qu'importe, je vais m'occuper de toi. Il est en train de lui prendre son âme. Hein. Mais à présent, fini de jouer. Je ne puis par 3 fois connaître la défaite face à un humain. Je ne suis pas vraiment un humain. Parce que moi, j'ai les oreilles pointues. C'est hors de question! Oula, oh j'ai le petit cul. Je sais tout de suite que ça n'irait pas entre nous. J'étais clément avec toi et voilà comment tu me remercies. Vois-tu, j'ai mon image de serviteur du mal à préserver. Alors j'ai fait des efforts pour toi. J'ai tout enduré avec dignité. Mais toi, tu n'as fait qu'en profiter pour me rouler dans la honte encore et encore et toujours. Je ne suis pas une... lame émoussée, au point de me laisser marcher dessus par un sale mioche dans ton genre. En fait, Ghirahim est l'équivalent de Fey, en fait. Hein. C'est l'esprit d'une épée aussi. Je vais te faire subir l'ultime supplice démoniaque, l'abîme sans fin. Tu seras sans cesse assailli par la formidable puissance de mes coups, et lorsque tu seras acculé au bord du gouffre, je te précipiterai en bas. Ouais, je vais t'envoyer en enfer où tu iras nourrir le Seigneur du Mal. Mais là, il nous a donné l'astuce, c'est qu'il va falloir le balancer en bas de la plateforme sur laquelle on est. Aïe. Comme ça. Et un petit coup de grâce. Ouais, recule. Pah! Non mais il est nul, hein. Tiens, tu l'avais venir. Oh putain, par contre, tombe pas en bâton non plus, Link. Hein. Aïe, coup de pied retourné. Merde. Ah merde, non, non, non. Et ben voilà. 3 fois, comme les boss classiques. Hein. 3 fois. Ah, c'est pas fini. Aïe. Ok, on va faire autrement. Ça lui fait quelque chose? Ah, peut-être... Peut-être qu'il faut faire un estoc pour viser le cœur. C'est ça. Ok, compris. C'est le cœur qui m'intéresse. Ok. Connard. Aïe. Ok. Sale petit morveux. Oula. Ah, celle-là, faut la détruire, je crois, de mémoire. Il va s'en protéger, mais il faut la détruire. Ouais, vous voyez. Mais non de Dieu. Ah, reste pas là. Putain! J'arrive pas à l'esquiver. Eh! Hey. En plus, il répare son épée, c'est un tricheur. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à aller jusqu'au bout de son épée? Aïe! Putain, par contre, mon bouclier... Parce qu'en fait, qu'il la change d'angle au dernier moment. Putain. Ok, il faut pas que je tape trop vite pour bien voir dans quel angle il met son épée, en fait. Nom de Dieu. Je vais me faire tuer parce que j'arrive pas à faire cette partie-là. Oh, ça va être chiant. Ok. Je Alors, je sais pas pourquoi elle a cassé là, mais... Ok, c'est bon. J'ai fini par l'avoir. Comme quoi, faut persévérer. Incroyable. Tu es parvenu à déjouer l'abîme sans fin. Comment ai-je pu être battu par un humain? Suis-je condamné à la défaite? Pourquoi ne puis-je te vaincre? Qui es-tu donc, petit? Je suis l'élu de la déesse. Mais je me vois dans l'obligation de te décevoir. Le rituel s'est achevé pendant que nous combattions. Le seigneur du mal va absorber l'âme de la déesse et pourra revenir à la vie. Le revoilà. Et sans bras ni rien. Les cris de Zelda sont horribles. C'est toi qui as perdu! Le monde appartient désormais aux démons, à mon maître! Vous êtes de retour, mon maître. D'ailleurs, on remarque que c'est une Dark Master Sword hein, qu'il possède. Hein, parce qu'il y a la Triforce dessus et tout ça. Hein. Donc c'est une Dark Master Sword qu'il a en fait. Hein. Elle ressemble beaucoup à la Master Sword. Hein. C'est bien ça. Hein. Même forme, sauf qu'elle est en noir et que la Triforce est inversée. C'est donc toi, le chevalier de la déesse. Quant à toi, c'est pathétique. Pour avoir une chance de me vaincre, tu t'es rendue humaine. Comment as-tu pu tomber aussi bas, déesse Hylia, toi qui étais autrefois si noble et brave? Je m'en occupe! Ouf. Link! Zelda va bien! Oh, le soulagement qu'on a vu sur le visage de Link. Oh c'est vraiment ça, quoi. Quand je dis que ce jeu est là où Link est le plus expressif, quoi. Alors toi et cet autre humain essayez de sauver la déesse. Intéressant. Je croyais que les humains étaient tous êtres faibles, tout juste bons à gémir et pleurnicher. Vous êtes donc les descendants de ces lâches qui, au moment de se battre, se sont contentés de se cacher dans les jupes de la déesse. Oh, putain, il est immense. J'avais oublié sa différence de taille. Il est immense. De plus en plus intéressant. Un humain qui ose me défier. Qu'il en soit ainsi, je t'affronterai en un lieu où nous ne serons pas dérangés, si tu en as le courage. Link, c'est pas encore perdu! La vieille m'a dit que même si ce sale type a déjà absorbé l'âme de Zelda, on a encore du temps avant la fusion complète! Donc si tu parviens à le battre à temps, Zelda sera peut-être sauvée. Alors courage Link! Tu es le seul à pouvoir le faire! Tu peux encore fuir si tu tiens à la vie. Montre-toi digne de ton espèce et va pleurer sur ton sort avant que je ne domine ton monde. Mais si tu as la volonté de te rebeller contre mon joug démoniaque, viens donc me rejoindre, je t'attendrai. Alors normalement, je pense qu'à partir d'ici, on a encore le temps de faire les quêtes annexes. Je pense. De toute façon, en même temps, c'est un peu le dernier moment où on peut les faire, parce qu'après, c'est la fin du jeu. Tu peux le faire, Link. Si pas, bah tant pis, j'aurais pas fait le jeu à 100%. Mais je pense qu'on peut techniquement remonter et sortir d'ici. Parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Enfin, j'ai encore des trucs à faire, pas spécialement, parce que je pense... Ah non, ah oui, non. Oui, j'ai pas récupéré tous les chrysocratités, mais je sais où est le dernier. Je sais où sont les derniers, en fait. Je dois faire pour ça le mini-jeu des insectes. Par là. Donc techniquement, il me manque principalement les quarts de cœur et les cubes de la déesse en fait. Mais comme je dis, c'est le dernier moment où on peut faire les dernières quêtes annexes. Voilà, c'est bon. Alors je vous avoue qu'en général, quand j'arrive ici, tout est fait et j'ai plus qu'à aller affronter la valeur du néant, mais là, je me suis un peu laissé déborder. Écoutez, je propose de toute façon qu'on s'arrête là pour cet épisode. Comme ça, prochain épisode, je me consacre principalement aux quêtes annexes, enfin aux derniers quarts de cœur et tout ça, et au cube de la déesse. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en commentaire si vous avez aimé, me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos. Et moi je vous dis, ciao tout le monde!